On ne va pas se réunir pour réagir aux propos qui ont été dits. Je me demande bien si ceux qui préparent le note du président Kagame avaient bien fait leur travail, parce qu'il est très en retard. Je crois que ses discours, il aurait dû le prononcer il y a une semaine, où il a été un peu distrait, il n'a pas suivi l'actualité congolaise qu'il affectionne tant, parce que j'ai cru comprendre qu'il est très friand de nos différents passages dans la presse internationale, parce qu'il est revenu déçu. C'est bien pour lui parce que ça lui permet d'avoir des éléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élections, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation. Est-ce que la liberté des manifestations existe au Rwanda? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir? Quelle a été la méthode qui a été utilisée? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1% ou 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est le dernier sur la ligne. C'est connu. Alors après, nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est fort, c'est consécutif, je pense, à sa déception de toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il se présente, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises, au nom de quel mandat? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et nous laisser faire la politique qui est la nôtre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas lui qui doit venir nous dire ce que nous devons faire, parce que son ambition aujourd'hui, c'est de déstabiliser politiquement le président Tshisekedi. C'est l'œuvre dans laquelle il est engagé. Je pense que certains de ses alliés les lui ont dit que ce n'est pas parce que vous agitez un mouvement terroriste que vous avez fait renaître, parce que c'est la violence qui vous a toujours guidé, et vous pensez que cela est suffisant pour perturber non seulement la RDC de manière entière, pour briser justement l'élan dans lequel nous sommes. En tout cas, si vous regardez du point de vue économique, tout le monde note qu'au Congo, nous faisons de progrès, et je pense que le fait que le Congo est revenu sur la scène internationale pour prendre finalement sa place, le gêne beaucoup. C'est cette volonté permanente de s'assurer que le Congo est fragilisé, qui les guide. Et aujourd'hui, les pas faits par le président Tshisekedi et les différents progrès les gênent dans sa politique. Il faut les saboter. Parce que les calculs derrière, ce n'est pas seulement de faire cette déstabilisation politique à travers cette situation de sécurité, mais c'est aussi interférer dans les prochaines élections. C'est évident et nous savons tous qu'il a de relais ici. Nous savons tous qu'il s'est particulièrement rapproché de certaines zones politiques ici pour s'assurer qu'en 2023, il ait des personnes qui soient à sa disposition pour continuer sa politique de bradage et de pillage. Il est évident que le président de la République, à son arrivée, la stratégie diplomatique, c'était une stratégie d'ouverture. Venez, nous pouvons travailler ensemble pour les biens de nos populations respectives. C'est même dans cette trame que nous avons adhéré à la Eastern African Community. Mais malheureusement, les schémas qui veulent que la paix soit restaurée, qui veulent que nous parlions économie de manière transparente, n'est pas les schémas qui l'arrangent. Et parce que ça ne l'arrange pas, ça ne l'arrange pas, il faut trouver des moyens pour perturber. Mais je pense que cette guerre qu'il fait en République démocratique du Congo, c'est une guerre des trop. Regardez les massacres des Kishishe, localité occupée par les terroristes du M23 et des ADF. Les populations qui disent non sont massacrées nuitamment, des portes à portes. Des portes à portes. Des jeunes sont enrôlés de force
Mais le responsable de tout ça, c'est qui finalement, si ce n'est pas lui? Je pense qu'il est possible pour lui aujourd'hui, parce que j'ai entendu aussi qu'il a parlé de paix, d'être un véritable acteur de paix. Et s'il est tant préoccupé par l'organisation des élections en République démocratique du Congo, il peut demander à ses troupes et ses M23 de vider les lieux. Ce n'est pas difficile. C'est ce qui est prévu, parce que lui, il pense que c'est les prétextes que nous voulons utiliser. Encore que si c'était là, c'est là le prétexte, on n'aurait pas fait notre part pour ce qui concerne l'organisation des élections. Je pense que, de toute évidence, sur la démocratie, il peut encore apprendre des leçons chez nous, parce que vous avez vu, par exemple, hier, l'exercice que le président de la République a eu avec les jeunes. Je ne suis pas sûr que dans son pays, c'est possible. Mais bon, voyons voir avec le temps, comme il nous suit souvent, peut-être qu'il va prendre quelques petites leçons qui vont lui permettre d'être plus démocrate et de permettre aux Rwandais de s'exprimer plus librement. Président Urguanda Paul Kagame ejo yatangaje ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kidaturuka ku Rwanda ko ahubwo giterwa n'umutwe wa FDLR kandi yatunze agatoki abatavuza amazina ariko bari mu mashyaka arwanya ubutegetsi bari mu Rwanda avuga ko bakorana n'iyi mitwe iri muri Kongo irwanya u Rwanda rero nuko aravuga ati bari degembye mu bihe bitandukanye wakunze gushyirwa mu majwi n'umuyobozi w'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda Dalpha Umurinzi umutegarugori Victoire Ingabire Umuhoza mugenzi wacu Venuston Nshimiyimana yamubajije uko yakiriye ijambo rya Perezida Kagame yakiriye neza kuko ikibazo avuga ikibazo cyo mu karere gihangayikishije akarere kacu muri iyi minsi ni umutekano mu cyuhari kandi ari nawe aravuga ati ntabwo ibibazo bihari ni politiki ntabwo bizarangizwa n'intambara iyo ni po ya mbere twemera ngo kuba rero bakunda gushyira mu majwi nanjye abantu benshi bambwiye bati nawe nyamara urimo nubwo atavuze izina sinzi niba baha amakuru Perezida wa Repubulika ku bindi babamuha amakuru nyakuri cyangwa se niba byaba biterwa n'uko nkunze kuvuga mu minsi yashize ari inyandiko nasohoye igihe tugasigasira ibyagezweho ngasanga kugira ngo dusigasire ibyagezweho ari uko abanyarwanda twese ndetse n'abatavuga rumwe cyane cyane abakora politiki hanze hashakwa uburyo abo bantu bakwegerwa abantu bakaganira tugashaka uburyo n'abanyarwanda nabo muri FDLR tugashaka uburyo icyo kibazo cyo mu Rwanda kirangira binyuze mu biganiro ku kibazo cyo hari ni politiki nk'uko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze ngasanga rero ku kibazo cya FDLR nicyo bakunze kugarukaho aravuga bati harimo abicanyi harimo iki ariko njye nkunze kuvuga n'itangazo nasohoye navuze hari itangazo ryatangajwe na Nairobi mu mwaka w'2007 ryavugaga riti guverinoma y'u Rwanda niyo rero abo yitabicanye ni bande abo ngabo bazashyirwa ku ruhande bakurikiranwe n'inkiko mpuzamahanga tujya tubona hari abava muri FDLR bakajya umutobo bagasubizwa mu buzima busanzwe hari abaza bagashyirwa mu nkiko iyo rero ni prosesisi ishoboka ariko njye navuga ntigomba guhagara kuri FDLR gusa dufite amashyaka menshi akorera hanze ni nayo agenda avukamo nyine iyo mitwe ishobora kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cyane navuga rero dusigasire ibyagezweho dushaka uburyo abo bantu bose baganirizwa ikibazo tukagikemura hamwe nk'abanyarwanda ariko Perezida wa Repubulika mu ijambo rye arasa n'uvuga yuko abo ngabo nawe ushobora kuba urimo bakorana n'iyo mitwe irwanya ubutegetsi icyo cyo urakivugaho iki ngira ngo Perezida wa Repubulika wenda yabahabwa amakuru atari yo ntabwo nta mitwe y'iterabwoba nkorana nayo kuko ngira ngo abantu bamaze kumenyera politiki yanjye bazi ko ikintu cy'iterabwoba ikintu cy'intambara ni ibintu ndwanya cyane ntemera ni nayo mpamvu ntangira nabuze nti icyo nemera ngo aho nawe ni uko avuga ati ikibazo cyo mu karere ni politiki ntabwo igisubizo ari intambara kandi koko intambara irasenyanya abanyarwanda turi mu ba mbere babizi neza ari nayo mpamvu nasohoye iriya nyandiko ivuga ngo sigasigira ibyagezweho nuko dushaka uburyo ibibazo byacu tubikemura mu biganiro kandi n'ibintu dusanga mu itegeko nshinga ntekereza rero ko abakomeza gutsindagira Ingabire mu byo kuvuga ngo akorana n'imitwe y'iterabwoba ntekereza ko kenshi aba ari propagande politiki ntabwo aba ari ukuri Madame Victoire Ingabire Umuhoza ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye ijwi ry'Amerika yego murakoze namwe